Salutations YouTube, nous continuons bien entendu The Pedestrian, car ici on commence les jeux mais surtout on les termine. Alors, j'ai tout oublié de ce que je devais faire ici. Bah si, parce que je peux arnaquer donc l'obtention. En fait, il faut que j'arnaque phase 1, j'arnaque la poste. Attendez, mais... Mais j'en ai plein le huc. Ah oui, mais je pourrais les bouger à l'infini. On est d'accord, je pourrais les bouger à l'infini. C'était l'idée. Parce que là, en gros, il va falloir que je bouge pour prendre la clé. Et derrière, que je rebouge... Pour passer derrière, au final. En fait, ces échelles... Est-ce qu'on s'en foutrait pas de ces échelles? Non, en fait, ces échelles voient de capital. C'est ça que je comprends pas. Attendez. Ah, j'ai trouvé comment faire un dab. Parce que là, je dis au jeu, ben ouais, j'en ai rien à foutre, je vais là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, je suis bloqué. Mais attendez, mais pourquoi tout à l'heure ça a marché? Pourquoi là je suis bloqué? Bloqué! Attendez. Ah non, voilà. Ah oui, non mais voilà, c'est comme ça qu'on avait procédé. Donc en fait, la première... Je vais pas m'énerver. La première, c'est forcément cette salle-là. Qui me permet d'aller là, comme un bandit, comme un fou, comme un soldat. Et ensuite... Attendez, j'ai dit, je me retrouve là. Je prends ma clef. Mais ensuite... J'en ai plein le huc. Je l'avais il y a deux secondes, je vous le jure. Il y a deux secondes, je l'avais. Parce que ça, on est d'accord, mais on s'en fout. Parce que le truc, c'est qu'il faut y arriver. Où est-ce qu'il y a une arnaque? Un mind game? Ah oui, le mind game est là, peut-être. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Oh, ça y est. Ça y est, ça me casse le huc. Attendez. Parce que si je fais ça, ensuite je vais là, on est tous super contents. Ah oui, mais je peux redescendre. C'est là le génie. J'avais oublié que je pouvais redescendre. Et je rebouge. Et... Mais derrière, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire derrière? Non, ça suffit pas. C'est-à-dire que derrière... Ouais, mais je ne peux pas. Si je délink ça... Le jeu m'empêche... Je reset tout. Ok. Ok. Il faut juste y faire. C'est vrai que là, pour l'instant, je suis extrêmement énervé. J'aimerais que ça s'arrête. C'est vrai que j'en ai marre. Oui, ça marche pas. Il faut qu'ils soient liés. On peut pas tenter une petite arnaque. Ok. Est-ce qu'il y aura un intérêt de faire ça? Peut-être, sinon pourquoi ça existerait? Mais oui, il y a un intérêt de faire ça. Ok, j'ai compris. Je vais là. Cette échelle, elle mène ici. Ah non, je peux pas lier les deux mêmes écrans, ça commencera à se voir. Ok, cette échelle... Non, on peut pas mener là. Mais c'est ça mon vrai cauchemar, en fait. Si, parce que cette échelle... peut mener là. Et voilà. Et là, je superpose ici. Hein?
Ah non mais ça fonctionne pas comme ça. Mais laissez-moi sortir. Ah oui. Y'a pas moyen d'arnaquer le game alors. Non. Ok. My bad, je me suis enflammé. C'est l'enflammade. Ça se passait vraiment bien jusqu'à ça. Ensuite, je superpose, j'arrive là. Mais si je peux pas changer la destination de cette échelle-là, ça, que je ne peux pas ramener assez à gauche, eh ben c'est mort. Et donc, il me faut bien un accès à cette échelle. Comprenez-vous ? Les échelles, oui, bien sûr, les échelles. Bien évidemment. Donc, cette échelle-là me mène là. Et là. Et oui, et bien sûr. Merci à tous d'avoir cru en moi. Il n'y a qu'une solution. Il n'y a qu'une solution, en fait. Pourquoi ça ne marcherait pas après ? Ah oui, non, mais on les bougera. On les bougera, donc on s'en fout. Regardez bien. C'est pour vous que je fais ça. J'arrive ici. Et là, vous dites, mais c'est de la merde. C'est vrai. Sauf que là, je fais ça. Et là, bah c'est toujours nul. Mais, surprise. Surprise, surprise. Bah non, mais là, c'est super nul. Ah mais ça me sert jamais. Non, mais ça me servira à la fin pour m'enfuir. Mais comment ? C'est con parce qu'on avançait bien, ça se passait bien, et évidemment on tombe sur la mécanique où on n'est pas d'accord avec le développeur. Si seulement ce réverbère ne m'embêtait pas. Le problème c'est que quoi qu'il arrive, il y aura toujours un mur. Ok. Ah. Ah. Oui, non, mais ça changerait mon problème, je crois, hein, tout du moins. Et pourquoi il reset pas? Alors que j'ai bougé des liens. C'est quoi reset R? Comment je reset juste? Il doit y avoir un bouton reset backspace. Je sais pas quel est le bouton reset. Ah ben ça clique, on décide de faire cracher 1000 boules de plus à moi. Ah ah ah. Ah ah ah. Bon, c'est bien, ce puzzle va me servir, voilà, juste à vider le compte en banque. Ok. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Ah mais c'est bon, il a reset. Ok. Alors. Vous êtes nombreux, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé comment faire pour ce petit puzzle. C'est très simple. C'est bon, je l'ai. Je fais ça, je me retrouve là. Je vais prendre la clé, je reviens ici. Je superpose avec cette merde. Cette merde qui m'amènera là. Et derrière, je descends ici. Et ensuite, je superpose ça là. Et je sors. Ah 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 ah. Quoi ? Ah 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 ah. C'est quand même un délire, hein. Un, un. Un, un. Un, un. Un, un. Un, un. Un, un. On l'a eu, c'est bon. Ouf. Ok. Euh...
Non, à 10 minutes, Chell. Franchement. On a déjà eu des VOD sur YouTube, on passait 50 minutes sur le même puzzle, là. 10 minutes, c'est cadeau, hein. Mais ils avaient dit que j'avais besoin de la caisse, mais ça n'a aucun putain de sens, j'ai besoin de ça. Bien sûr, regardez, je pose ça là, et nous avons encore de l'énergie une fois de plus. Mais je n'ai pas ma pile. Il est temps d'aller chercher la pile. 10 minutes 10K. 10 minutes 10K, c'est plutôt un bon rythme. Stonks. Ok, donc si je pose ça... C'est juste, je me mets un peu dans le derrière. Est-ce que je peux pousser les deux en même temps? Mais est-ce que je peux avoir une clé et pousser les trucs? Oh là là. Ah mais ensuite je suis bloqué. Bloqué. Bah non, pas du tout. Ça c'est une petite intro hein. Ça c'est le problème, c'est que au début on a toujours le truc sympa en un ou deux screens en mode don't worry, be happy. Et là on va arriver vers... Ah non. Interrupteur qui va arrêter ce laser. Si j'ai un objet comme cette caisse, je ne peux l'amener... Pourquoi il y a des trucs? Je peux pas faire passer l'objet comme ça. Visiblement c'est... Ah oui, parce qu'il y a le bumper. Donc en gros, si j'utilise le bumper, si je mets le bumper, la caisse sur le bumper, l'objet va refuser d'aller en haut, mais du coup il va aller là. Attendez, je veux juste comprendre. Mais ça déjà je voulais pas. Je voulais juste que la caisse tombe, pas moi. Ok. C'est bon. C'est très simple. Pour l'instant. Donc je fais ça. Il n'y a plus. Donc maintenant la caisse elle a le droit d'aller là-bas. Ah bah non. Et la question que vous posez c'est qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oui non en fait j'en ai rien à foutre. Voilà. Presque les 84. Ah ça y est, le voilà. Le voilà. Le petit puzzle de ces morts. Ok, la finalité c'est la bobine et on se casse un laser. L'objet qui ira ici n'ira que vers le haut. Et se déposera du coup là-dessus. Donc cette caisse avec ce switch qui active ce trampoline. Donc là, il n'y a qu'une issue, donc je vais devoir me superposer et sûrement arriver là, comme une fleur. Et j'ai une clef aussi. Ah oui, parce qu'il me faut une clef. Mais pourquoi il y a ça? C'est étrange, non? Je descends une échelle. Une échelle, je prends jamais la clé. De toute façon, il n'y a qu'une échelle. Si, je vais là. Je me superpose. Je bouge, je vais prendre la clé. Puis ensuite, je remonte. Like a boss. Ici, je me resuperpose là et je me casse. Non mais... Pff. De qui se moque-t-on? Je remonte ça, sinon l'échelle n'est pas active. Oh, 80K! Ah, presque, presque, presque. Ne nous enflammons pas. Il manque 4 euros, hein. C'est pas fait. Je l'ai activé là? Là il a le point, faut qu'il ait le point, je sais pas. Mais j'ai pas pris la bobine. Ah c'est bon, bravo. Ah,
fais une pause YouTube, j'arrive tout de suite. Re YouTube. Quoi ? C'est bien normal de rien voir ? Ok. Re, on continue ce petit puzzle. Ok, non mais c'est important, voilà. Important, parce qu'on vous demande évidemment de mettre la main à la pâte, c'est pas évident, parce que idéalement, l'État le ferait. Certains d'entre vous, bah évidemment, avec cette crise, vous souffrez de cette situation aussi, et professionnellement, c'est pas évident. Donc bon, nous les streamers, pour être très honnête, je n'ai jamais reçu autant de mails d'agences de marketing bizarres en Europe de l'Est que depuis le début du confinement. Donc ça, c'est pas trop grave si je lâche des 1000 balles en mode let's go quoi. Ok. Bah donc on a ça. Mais oui bien sûr, pour ma prise. Sauf que j'ai besoin de cette fameuse clef que je n'ai pas prise tout à l'heure car j'ai eu peur. J'ai eu peur de ne pas comprendre. Est-ce que maintenant je vais comprendre ? Rien n'est moins sûr. Je me demandais, arrête, Shadow Legends, de se faire un nom, j'avoue. Titi. Bon. Oui, alors j'ai la clé. Ah oui, mais la clé, j'ai juste à. Il faut que je la lâche en plein saut. Mais est-ce qu'il faut que je la lâche en plein. Où est-ce qu'il faut que je la lâche en plein saut? Parce que là, si je la lâche là, la clé, bah déjà, non, c'est compliqué. Et en plus. Mais est-ce qu'elle est affectée par les pointillés, la clé? Oui, hélas. Donc elle bloquera pas le laser. Le problème, c'est que si elle bloque pas le laser, la clé, c'est un peu la loose, quoi. Oh, vous avez vu ce trick shot? Attendez, je vous le refais. Attendez, ah zut. Ah, j'avais la... Easy. Je sais que vous aimez l'e-sport, donc let's go. Tung ting ting tung ting ting tung ting. Ça semble être une mauvaise idée quand même. Ah oui, je croyais qu'elle allait me bloquer, mais jamais. Je saute haut comment? Ah mais je saute pile poil, donc c'est de la full merde. Je crois que c'est une idée à la con. Ça serait pas la première? C'est de la rattraper au vol, mais... Ah, c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Ah si. C'est technique, hein. C'est technique, ce qu'on est en train de faire. Ah, putain. Ah, oui. Oui, parce que là... Mais non, mais c'est de la bite. Ouf. C'est à moi de prendre l'autre. Ah oui, l'autre, il est beaucoup plus violent. Ah bah oui, bah alors c'est simple. Please. Please. YOLO, idiot. Ok. Évidemment, fallait que j'active le switch en haut, mais j'ai glissé, chef. Is ok. Oh ah, on aime ça. Pas de portail, juste 42 000 portes. Y'a plus de musique là. Ça me manque la petite musique plan cul de tout à l'heure là. Ah, mais attendez, j'ai juste à balancer Spotify en arrière. Et j'ai mon slider qui me permet de le mettre et de l'enlever. À ma guise. Donc quand il n'y a pas de musique, j'ai juste à faire « Comment ça, pas de musique ?» Quel génie. Ok. Tu
Copyright sur YouTube. Fez, c'est copyright sur YouTube. Ah, je voyais peut-être des soucis avec Fez. Oh, on s'en fout. Alors, sinon, ce sera pas monétisé. Et, ça, et l'argent ira à Disaster Peace, ce qui sera formidable. Ou à Phil Poisson, ce qui est déjà plus discutable. Alors. On va y voir. Donc ceci active. Ceci appelle l'ascenseur au rez-de-chaussée. Nous avons. Ah, pourquoi je suis bloqué? Pourquoi ça répond mal? Allô? Vous êtes là? Allô? Oui, c'est bon. Ah, mais non, ma souris n'a plus de jus! Au secours, au secours, au secours. Ok. Ok. Ah bah, ouais, non, mais c'est bon, t'as compris que tu rechargeais? Ah, mais j'ai un câble tout pas pratique. Heureusement que c'est pas un... On n'a pas besoin d'AIM, heureusement. Finalement, Dieu merci, on n'a pas Valorant. Sinon, on aurait pu jouer avec des gens que je croyais mes amis. Ok. Alors. Bon, on en est où? On en est où? Ça va le faire. My body is ready. Il y a quand même beaucoup de pièces, donc on va se faire chier. Il y a une caisse à un moment. À quel moment j'aurais besoin d'une caisse? Ici. Ici, j'aurais besoin d'une caisse si jamais je veux revenir. Non, peut-être aussi pour prendre la clé. Mais en même temps, on pourrait se dire que j'ai juste arrivé du haut. À moins que là, si, là, j'ai besoin éventuellement d'une clé. Et c'est peut-être ça. Le délire, c'est qu'en fait, la clé... Oui, quoi qu'il arrive, pour passer là ou pour monter là... I need a box. Ah, je peux bouger aucun de ces trucs, c'est fixe. C'est déjà une bonne chose. C'est un problème en moins, on va dire. Enfin, un problème de, pour le coup purement logistique, vu qu'il n'y a pas de porte téléporteur. Donc en fait, on s'en fout. Non, non, mais si, mais en fait là, ça fait une semaine ou 10 jours que j'ai un contact pour demander une clé Valorant pour la streamer, le streamer juste sans avoir de drop de clé pour le streamer, c'est-à-dire comme on doit streamer un jeu, c'est-à-dire. Et mais bon, à partir du moment où on me dit bah maintenant tu peux avoir la clé, ça perd énormément d'intérêt. Voilà. Si à l'époque on m'avait dit eh bien écoute, Scarlett Johansson est d'accord pour te rencontrer pour un rendez-vous galant, ça aurait tué toute la hype et tout le fantasme. Donc j'aurais bien évidemment mis un râteau ou posé un lapin à Scarlett. Ok, alors on en est où? Ah bon, peut-être pas, mais... Pour le besoin d'exemple... ah merci Champy qui offre... C'est son 12e resub, ami du Fanny. Ah désolé, hein, les alertes, je suis pas du tout au taquet. On est sur la cagnotte là, ça s'attendrit un peu la cagnotte. I had a dream, 200 000 euros, mais visiblement... Enfin voilà, moi je veux bien qu'on atteigne les 100 000, mais je vais pas non plus mettre 17 000 d'un coup quoi. Ok, alors, laissez-moi me concentrer. Nous arrivons, d'ici, notre objectif est là. C'est la fin, et la fin, vraisemblablement, ça sera quand on aura la clé, probablement peut-être ici. Peut-être ça, c'est la fin. This is the end, my friend. Mais si on décide, je crois que ça peut être là comme ça peut être là. Parce que tout dépend ce qu'on fera de cette caisse. Mais cette caisse, pour pouvoir la transporter, il faudra qu'on arrive du haut. Cette caisse, on sortira du bas. Ah oui, mais le problème, c'est qu'on peut pas... Ah oui, mais bien sûr, vu qu'on ne peut pas les bouger, si, ça change tout. Il y a une logistique. C'est obligé d'être en face.
My fucking god. On a toujours cette limite de 2 étages maximum. C'est bien ça. Ok, ok. Ok, ok, I get it. I get it. Pourquoi il y a 2 clés? Donc je vais là, je descends, je prends la clé, je pars de là, je vais là, j'ouvre, je prends mon ascenseur, j'ouvre, j'appelle l'autre ascenseur au rez-de-chaussée, j'arrive au rez-de-chaussée, je prends l'ascenseur, j'arrive ici, je suis là. Je suis là, je pousse ma caisse. Ici, je pousse ma caisse, je la fais tomber, et ma caisse elle est tombée. Ah mais il est extrêmement simple en fait. Et j'amène ma caisse là ou là, au choix. Ça, je pense que ça n'a aucune importance. Je crois. J'espère. On va dire là. Ouais, en fait, c'était très simple. C'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de points, mais ça a l'air assez simple. Ensuite, il peut toujours avoir des surprises de dernière minute. Dommage. Ah, j'ai fait la... Mon dernier pif n'est pas le bon. Il y avait une incidence. Réponse immédiatement. C'est pas ok, non ? Hop là. J'en ai besoin à la fin. Non, c'est bon. Ok, we have everything. Tac. Hop. Hop, c'est bon, nous avançons. Il y a peut-être musique là, attention. Pas encore. Ok. Il revient. Ça s'en va et... Mais on peut aller à gauche aussi. Ah, du coup, je suis tout intrigué. Qu'est-ce qu'il y a à gauche? Non mais il n'y a jamais le temps. Il n'y a jamais le temps. Hein? Ah mais si! Ah, c'est quoi? Si on appuie à un moment, il s'arrête tout court. Ou c'est juste que... C'est le temps que le... Il calcule quand même le temps qu'il aurait fait d'un côté avant de le ramener. Pas du tout. Et si je rappuie? Ok, fuck it. Allons à droite. Pour l'instant. Ah, je suis déjà passé à gauche. Ah, je fais une boucle. Comment ça? Ah oui, non, mais on va avancer. 748, and we go elsewhere. 748. Ta-da-tan-tan. 4 x 12, 2. 2 plus 200, 504. 504 moins 802, 748. Le compte est bon. Okay. Oh là là, plus que... Nous sommes dans la dernière demi-heure. Oh, c'est bon. On voyage. Et tout de suite un peu de musique originale. Quand Laurent Romeshko Gaming, j'avoue. Il a fait le fanfaron, hein, étoile, avec Samuel Etienne, mais... Moi, si je fais un stream avec Laurent Romeshko, qu'est-ce qui se passera? Ok.
Même hauteur pour les trois. Très bien. On peut voir quand même. Oui, bah de toute façon, on se doute bien que ça, ça va désactiver... Enfin, ça va activer les ponts. Et le laser, rien ne le désactive par contre. Ah d'accord. Mais c'est très succinct. Ah oui, non, mais y a cette merde, d'accord. Oui, bon, d'accord, oui, ok. Faudra que j'y revienne, je veux dire, j'ai aucun intérêt. Là, je peux directement aller à la porte à gauche, donc je vais faire ça. On commence à avoir plein de trucs, on commence à avoir beaucoup de choses dont on n'a pas... On ne peut interagir immédiatement. This is going to be a long day. Glad I packed lunch. Succès déverrouillé. Une ampoule. Sûrement, oui, le prochain truc pour notre Game Boy. Une boîte. J'allais prendre l'ampoule. Tête d'ampoule. On peut les bouger ? Alors, ceci permet d'activer le trampoline. Ça veut dire que l'ampoule, c'est la destination finale de l'ampoule ou de la caisse. L'ampoule qui est accessible... Mais c'est où que j'aurais besoin d'une caisse en théorie ? À part pour arnaquer un laser et faire un trick shot impossible avec la caisse. Oh, tout mais pas ça, par pitié. Ils vont me demander de bouger les trucs en direct. Ça, c'est la notre sortie. Ok, je vois comment je peux ramener la caisse. Mais ça, j'atteins sans caisse, si c'est bon. Quel moment j'ai besoin d'une putain de caisse? Ah, ça c'est bloqué. Attendez, voilà autre chose. Ok. Très bien. Jolie musique, il est vrai. Alors. Ok, no problem. On a, de toute façon, on a trois échelles, donc en théorie, on pourrait dire que OZEF total... Ah oui, non, mais c'est... Si. Enfin, si. Ah, mais là, j'ai besoin de la caisse. La caisse, j'en ai besoin pour la fin. Ça veut dire que la caisse que je mettrai là, qui arrivera là, doit inexorablement être ramenée là. Pour le finish, le grand final. Ici. La caisse donc que je ramènerai là. Mais au début, je veux prendre mon ampoule. J'ai pas regardé, mais ça me paraît tellement logique. Mais non, j'ai besoin de la caisse là, espèce de connard. Et la caisse, en aucun cas. La caisse... Oui, mais la caisse, j'en ai pas besoin. Donc la caisse, je la ramène là. Et là, je vais là. La caisse. Ça, la caisse qui m'amène en bas. Mais en bas, je m'en fous. Parce que là, je dois aller là. Ah, mais là, maintenant, c'est le seul moment où je peux utiliser cette porte. Ok, je dois en fait au début aller à la porte de la sortie, descendre, aller pousser ma caisse là, la mettre là, paf, elle fait ça. Une fois que la caisse est là, je l'amène à l'ampoule, je redescends, je remonte et je sors. Sauf que j'ai besoin de la caisse là. Est-ce que ma vie est dégueulasse? Of course it is. Attendez, j'ai besoin de la caisse pour ça et pour cette merde? Salut, Karaté.
On va faire un pumel dans l'amour. Ah oh non, mais les VIP, non, c'est terrible, hein, c'est la maladie de Twitch. Ok. Attendez, bah je termine ça. Mais il est 23h40. Est-ce qu'on laisse la... Est-ce que la cagnotte s'auto-détruit d'ailleurs à minuit? Ok, pourquoi pas. Moi je voulais faire FF7 après, hein. C'est finalement comme le chat qui dit joue à ça, mais là c'est des streamers, alors il y a une pression sociale. Ok, mais j'ai bien envie de voir Pumel, ok, ça marche. Laissez-moi juste terminer ça. Terminer ce tableau. Et quand j'aurai terminé ce tableau, je serai vraiment dans le mindset pour jouer à Pumel, j'en suis sûr. Donc, j'arrive là. Je l'ai pas fait, Pumel, en plus. Ça n'a rien à voir avec le jeu des échasses. Moi, le jeu que je voulais faire, c'était que j'ai vu chez Lyric et que j'ai revu Benzaï et Karate y jouer, c'est le jeu des échasses. Ça, c'est incroyable. Ah non, c'est vrai que depuis que j'ai été éjecté de l'aventure Valorant par des gens que je pensais proches, j'ai un peu de mal à m'ouvrir aux autres. C'est pour ça que je préfère jouer seul. Et je vais essayer de faire l'effort. Ok. Attendez. Non mais c'est pas possible. Ça me bute. Je vais juste voir un truc. Un truc mytho. On est bien d'accord que cette caisse... Est-ce que déjà elle peut tomber? Non, voilà, je me fous dans le fion. Ah mais non, mais idiot. Ok, I get it. Si je ramène la caisse dès le début, bah justement, elle tombe là. Le seul endroit où elle a de l'intérêt. Mais comment je vais faire derrière pour quand je vais la ramener, pas que ce soit que elle qui saute? Ah bah c'est bon, j'ai juste à la placer. Ok. Donc ça c'est bon, la caisse est placée. Je reviens ici, et du coup je prends l'échelle, je décide d'aller n'importe où, probablement là, et je reviens ici. Non, il faut que dans un premier temps, peu importe en fait, est-ce que vraiment peu importe? Non. C'est bon, je pense. Je pense que... Non, parce que la caisse, elle va... La caisse, là, je reviens, je mets la caisse là, paf, hop, je la ramène. Mais si je la ramène ici, ça me permet... Non, il faut d'abord que je puisse la ramener dans cette pièce. C'est capital. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr ce que je fais, mais c'est pour jouer évidemment à... Hein? Et ils m'ont rien reset? Alors que j'ai bougé tous les trucs? Ah ouais, ok. Bon. Donc ce qui m'amène en bas, c'est ici. Je vais en bas. Je prends cette merde. Je positionne. Je sors. Je reprends l'échelle. Je prends la troisième échelle. J'arrive à la salle de l'ampoule. J'active. Hop! Nice caisse, brah! Je prends la caisse, je saute dessus, je prends l'ampoule sur mon dos. Je repousse la caisse. J'arrête ça, on sait jamais. Ah, je peux pas arrêter ça? Si, là j'ai désactivé le bitonio. Mais j'ai pas besoin de désactiver le bitonio. Si, vaut mieux. Si, vaut mieux, sinon c'est un drame. Je vais là. J'arrive en bas à nouveau. Là, du coup, je peux ramener ma caisse sans me faire propulser. Et j'amène, pour votre plus grand plaisir, à la caisse ici pour sortir. Ok. Ah, c'est bien, hein. C'est un bon jeu. Puzzle game. Sans trop la prise de tête, mais juste qu'il faut, en tout cas pour l'instant. Eh bien, 40 minutes. 39 minutes 55, c'est peut-être une des VOD les plus courtes de la chaîne YouTube. C'est mon cadeau à la communauté.
Merci à tous. À bientôt pour de nouvelles aventures.